Salut à tous, c'est Indedeil, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Internet Café Supermarket Simulator 2024. Le nom du jeu est super méga long. D'après ce que j'ai pu comprendre, j'ai découvert le jeu avec vous. On peut à la fois gérer et un supermarché et en même temps un café. On va commencer par le café, je pense. Entrez le nom de votre magasin. Indé Shop. C'est très bien, confirmé, démarré. Donc l'idée c'est qu'on peut soit gérer un café, soit gérer un supermarché, ou même carrément les deux en simultané. Donc le jeu a l'air vraiment sympa, mais j'ai un peu peur qu'il se contente juste de reprendre les bases de deux jeux, qu'il les mixe et qu'il soit en mode, bah voilà, YOLO, faites les deux quoi. Donc on va voir, on va le découvrir ensemble. Magasin fermé. Ok, appuyez sur E, sortez votre chambre, c'est votre maison initiale, et peut-être utiliser pour dormir, d'accord. Donc déjà le jeu sera en français, ce qui est quand même plutôt beau. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à entrer votre magasin. On peut courir, d'accord. Donc le hard shop se trouve là. Donc, j'appuie ici pour ouvrir, d'accord. Ok. Appuyez sur tab, du coup, pour prendre le balai, j'imagine. Et bien, il me semble que vous devez vous rendre au dépanneur pour acheter des outils pratiques pour nettoyage. Ok, bah allons au dépanneur. Oh, par contre, c'est quoi cette démarche, frérot? Wow, bon, c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Je me permets de vous interrompre une petite minute pour vous parler d'un nouveau jeu qui s'appelle The Spectre's Desire. En gros, bon, j'ai pas l'accent, hein, désolé, mais en gros, c'est un visual novel dans lequel vous jouez le rôle de Colton, un gars qui va devoir affronter la hiérarchie de sa boîte et surtout toutes les stars un petit peu de la ville pour essayer de sauver ses parents. Le jeu est sorti sur Steam le 24 mai 2024, donc c'est tout récent. Il n'a que 3 évaluations, donc pour l'instant, c'est encore un jeu, hein, développé par un petit développeur indépendant. Qui n'est pas encore vraiment ressorti, donc j'aimerais bien essayer de le mettre un petit peu en avant parce que le développeur en plus est super gentil et honnêtement le jeu a l'air plutôt sympa. Et aussi, je dois bien le dire, parce que je suis rémunéré, hein, bien évidemment, c'est un sponsor. Voilà, je le dis, je suis cash. Comme je vous disais, vous allez donc jouer Colton. Colton, c'est une étoile montante, donc quelqu'un qui est en train de grimper en termes de notoriété et tout simplement auprès du public. Et il va devoir affronter toute la hiérarchie, donc tous les gens beaucoup plus populaires que lui, pour devenir plus populaire que les autres, et ainsi réussir à sauver ses parents. Ne me demandez pas comment, ça c'est l'histoire, je veux pas trop vous spoiler. Il y aura également des éléments de puzzle que vous allez devoir accomplir, donc réussir. Le jeu est inspiré de Ace Attorney, au niveau du gameplay, donc faudra écouter ce que disent vos collègues, vos alliés, vos ennemis, pour essayer de les contredire. Il est même possible également de mentir pour prendre de l'avance. Par contre, attention, vous avez également à gérer une chaîne de stress. À force de mentir, hein, vous avez commencé à stresser et ça peut aussi se retourner contre vous. Il y a plus de 52 rencontres uniques à faire, donc le jeu est vraiment cool. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous laisse dans la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. 365 dépanneurs, d'accord, on appuie sur E. Bonjour madame, c'est une épicerie ou c'est... Alors je vais acheter un balai, une brosse, une poubelle et un sac poubelle. Je vais en prendre plusieurs, j'imagine que c'est utile. Je vais prendre aussi de quoi manger. Manger directement, je pense que c'est pas mal. Est-ce que t'as des boissons? Non, j'en ai pas. Et ben voilà, moi j'aurai un croissant sur moi, comme ça je suis peinard. Ok, allons-y. Le jeu a l'air relativement brut, mais à ce qui paraît, il est très sympa. Donc on va pouvoir le voir. Recyclage des produits d'occasion. D'accord, ok. Retournez à votre magasin. On va prendre le balai. On va tout nettoyer. Comment ça fonctionne du coup? Faut ramasser, faut faire quoi? Poubelle, j'imagine. Ouais, on va mettre ça à la poubelle, ok. Ok, on y va, on balance tout. Ok, pour l'instant, ça... Ah oui, d'accord, donc j'ai bien fait d'acheter plusieurs sacs poubelles en vrai. Je pense que j'ai vraiment bien fait d'acheter plusieurs sacs poubelles. Donc on a le remplissage du sac qui s'affiche en simultané, je trouve ça cool. Ok, et du coup, qu'est-ce que j'en fais des sacs? Ok, bon, bah déjà, on va le lancer là-bas, tranquillou. Ah ouais, non, par contre, si on peut éviter que ça aille sur l'ordi, ça serait sympa. Vous savez déjà comment vous débarrasser des fichiers, d'accord. Alors, utilisez... Ouvrez le navigateur web. Marchez à la bêche, votre premier équipement informatique pour le cybercafé. D'accord. Oh, on dirait mon... Bon, c'est pas mon chien, mais ça fait penser à mon chien. Et là, je suis sans mon chien depuis une journée. Je suis en manque. J'en manque de câlin de mon chien. Du coup, je suis tout sensible. Je suis désolé. Je suis un peu sensible. Alors, le marché AB. Acheter... C'est quoi le marché AB? C'est ça? Navigateur internet, marché AB. D'accord. Il faut acheter un moniteur, un clavier, une souris, une table. On va... Alors, j'ai 1500 balles. On va prendre la table en bois. Donc table c'est fait, il faudrait une chaise. On va prendre la table la mieux possible. Il faudrait du coup un ordinateur. On va prendre le... Bah le... Ok. Un moniteur. Un clavier. Et une souris. Ok. Donc là moniteur, clavier, souris, ordinateur, une table, une chaise. Normalement on est bon là. Hein. Normalement on est grave bon. Hein. Donc j'achète. Ok. Il me reste plus que 900 balles. Hein. Du coup les poubelles j'en fais quoi concrètement?
Y a moyen de les mettre. Ah, peut-être là-dedans, non? Ah ouais, ok. Bah franchement, pour l'instant, le jeu est sympa. Hein. Je suis désolé, mais je trouve qu'il est cool. C'est fait un peu savater encore sur les critiques, je crois. Mais oh non! Ah ouais, j'ai lancé ça n'importe comment. Ok, j'arrive. Bougez pas, j'arrive. Donc attends. Voilà, je le pose. Faut pas le lancer, faut le poser, d'accord. Forfait express, d'accord. Donc vue ordinateur, bah on va le poser où en attendant? Déplacer sur un mur. Ok, d'accord, ouais. On va le jeter. On va le jeter. Alors c'est quoi la table? Ouais, la table, on va mettre la table en priorité. Donc la table, on va la mettre genre là, je pense, contre le mur. Bon, le jeu paraît un peu brut, c'est clair, mais bon, pour l'instant, il est quand même jouable. Moi, ça me va. Hein. Donc vue ordinateur, c'est mis. Là, il nous faudrait quoi du coup? Le clavier. Bah, Claviax, on va le récupérer. Ok, on va le positionner genre là. Voilà, parfait. Bon, pour l'instant, c'est assez ancien, hein, je vous l'accorde, mais bon. La chaise, on va la mettre bien en face si possible. Tac. Donc là, on a une chaise. Maintenant, il nous manque quoi? La souris, bien sûr. Et puis l'écran, hein, ça va de soi. Tac. Voilà. Et l'écran, bien évidemment. Touc. Ok. Et du coup, normalement, je devrais pouvoir lancer mon business, c'est ça? N'oubliez pas d'ouvrir la boutique sur votre ordinateur. C'est ainsi que les clients vont pouvoir venir. Ok, donc ordinateur. Et j'ouvre la boutique. Ok, donc là, on a une calculette. On a une ligne de code. Je sais pas encore à quoi ça sert, mais ok. On a des jeux, pour l'instant on a. Ouais, d'accord, tic-tac-toe, c'est pas la peine. On a de la musique. Ameno? Non, un Ameno? Bah écoutez, j'espère juste, très sincèrement, que c'est libre de droit. C'est ma seule crainte pour le coup. Alors, ah, madame, je peux taper dessus? Ah oui, je peux taper dessus, mais est-ce qu'il y a vraiment intérêt? Le client a demandé à allumer l'ordi, d'accord, donc faut que je valide, faut que j'approuve. Système de gestion de réseau. Ah, je peux ajuster le prix déjà. Ok. Demande d'appareillage. Ok, super. Donc là, c'est validé. Donc elle va utiliser pendant 84 minutes. Approbation automatique. Ah, pour toujours. Bah. 850 balles. En vrai, je vais dire ouais. Comme ça, au moins, ça approuve automatiquement. On n'en parle plus. La musique sort d'où du coup? Parce que j'ai pas l'impression qu'on ait de réel. On n'a pas d'enceinte, je sais pas d'où sort la musique. Bon écoute, on va dire que c'est ok. Ah ouais, tu joues à... Je crois que c'est LOL de base, je crois que c'est LOL mais caché. Faites attention à votre consommation corporelle lorsque vous avez fait un rendez-vous au dépanneur pour acheter des aliments. Ok d'accord, on y va. Dépanneur pour aussi acheter de la bouffe, ok. Le problème c'est que j'ai... Ah, café, d'accord. Ok, bah je vais acheter tout ce qu'il faut, voilà. Alors par contre j'ai plus une thune, donc j'espère juste que ça va se gérer. Ah, donc elle veut payer, d'accord. J'arrive, les gars, j'arrive. Tenez bon, elle veut payer. Où ça, là? 24 balles. Ok, 24 balles, je dis oui. Alors le balai, on y va, on frotte. Voilà, c'est tout propre. Bon, pour l'instant, c'est moche, hein. On va pas se le cacher, c'est moche. Donc là, normalement, tu vas être automatiquement approuvé, on est d'accord? Ah, c'est ça. Ok, ouais, donc automatiquement, c'est approuvé. Ok, super. Bah là, lui, ouais, bon, on va gagner de l'argent comme ça, c'est cool. Hein. Et du coup maintenant je vais gérer mon truc, d'accord, ok. Et le supermarché, c'est où? Ouais, le supermarché. Bon, j'imagine que je l'aurai. Ah bah entrepôt de supermarché. Ok, à mon avis, le supermarché, je vais l'avoir un peu plus tard, je pense. Je pense que je vais l'avoir un peu plus tard. Ou alors c'est les deux en même temps? Genre là, en gros, je mets des rayonnages et puis c'est bon? Bon, on va voir. Pour l'instant, déjà, je vais gérer mon cybercafé tranquillou. Je pense que je vais être guidé pour ça. Bon, la musique, je pense qu'on va la couper parce que franchement, elle craint. Et puis surtout, j'espère juste que c'est libre de droit, on va pas se cacher. On va ajuster le prix, ouais. Alors, c'est cher, approprié à 21 $, c'est approprié, ok. Parce que 24 balles de l'heure, 21 $ de l'heure, c'est ok, c'est comme ça que je vais faire fortune. Sinon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des commentaires. Oh, pour l'instant, on n'a pas de commentaires. Comme ça, c'est réglé. Ouais. Alors, navigateur internet, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter? Bah, j'aimerais bien racheter déjà une nouvelle table. Combien coûterait la table? 180 balles, j'ai pas les ronds. Clairement, j'ai pas les ronds. À mon avis, ouais, je pense qu'on pourra gérer le supermarché d'ici peu, je pense. Pour l'instant, on est plutôt bien noté. Il y a un système de level, j'ai pas encore trop compris honnêtement à quoi il servait et surtout comment ça se faisait. Ah, arbre et compétences, d'accord. Ok, bah je viens de trouver. Alors, vitesse de course, plus 20, on va dire oui, hein. Dommage, plus, ouais, d'accord, réduit consommation d'état physique, ok. Est-ce que je cours plus vite? Ah ouais, j'ai l'impression de courir un peu plus vite. Bon bah écoute, on va espérer que ça marche. Alors,
31 balles, ok, bah du coup ça me permet d'acheter ma première table. On va prendre une table pas chère pour débuter. Ensuite on pourra acheter ouais, est-ce qu'elle coûtait cher? Je crois que c'était l'ordi qui coûtait une blinde. Je crois que l'ordi coûtait cher. Aïe. Ah pardon, ah je savais pas. Je savais pas qu'on pouvait vraiment se battre. J'ai pas compris. J'ai cru que c'était pour voir. Oh, je t'ai savaté. Oh, comment je t'ai savaté. Je te tibaille. Ok, allons-y. Bon, je voulais pas vraiment me battre avec lui initialement, mais bon, écoutez, hein, faut ce qu'il faut, quoi. Le mec a cherché la merde aussi, après tout. Bon, c'était moi qui ai cherché la merde, je vous l'accorde, mais quand même. C'est tout crade. Ok, sac poubelle, hop là, tout propre, voilà, comme ça le mec est super content. Par contre, j'ai plus beaucoup de santé, et du coup, faut que je mange, hein, j'imagine, pour la santé. Ouais, bah tu sais quoi, je mangerai plus tard. Alors, 21 balles, je vais pas aller loin avec ça, sans déconner. Il faudrait une chaise. La chaise à moins chère, elle est en plastique à 58 balles. L'ordinateur 140. Oh là, il va me manquer tellement de fric. J'ai tout claqué aussi en conneries. J'en ai marre de moi, je me supporte plus. C'est tout le temps comme ça, je claque tout en conneries. Ouais, elle y va. Elle est partie, elle y va. Elle est déterminée. Je compte sur toi pour faire ton taf. Et du coup, ouais, en fait, c'est la merde, parce que j'aurais pas dû prendre le truc approuvé automatiquement. Pas tout de suite, c'était trop tôt. Vitesse internet améliorée. Oh, c'est actuellement maintenance, d'accord. Employé en ligne. On peut embaucher un mec pour nettoyer, des caissiers, d'accord. C'est vrai que j'aurais des factures aussi, j'avais oublié. Vente, en gros, de produits alimentaires Walmart. Donc ça, c'est plus pour notre supermarché, à mon avis. Et si je voulais en même temps faire supermarché, par exemple, à une caisse, c'est 550 balles. Ah ouais, non, bon, on va laisser tomber, hein. Là, on va rester sur le côté gaming, moi, c'est très bien, je trouve, hein. Pardon, excuse-moi. Du coup, j'ai de quoi acheter une chaise, maintenant. Allons-y, achetons la chaise. On va y arriver, hein, ça va prendre un peu de temps, mais... Oh, je regrette tellement d'avoir payé le truc à 900 balles. Ça m'a mis tellement mal, financièrement. Après, ça prouve automatiquement, c'est peinard, mais bon. Ok, donc là, normalement, on est bon. Et c'est quoi, du coup, recyclage et produits d'occasion? Ah, c'est pour vendre ce qui me sert à rien, c'est ça? Ou est-ce que je peux acheter? D'accord, donc j'ai pas d'objets recyclés. Ok, donc ça, à mon avis, c'est une nouvelle fonctionnalité du jeu que je ne connais pas encore. Donc ça, à mon avis, c'est pour agrandir le bâtiment, je pense. Ok. Cherche pas la merde, toi, mon pote. Cherche pas la merde. Voilà. Encore. Ah merde, j'ai un client en attente de paiement. Voilà. Je t'ai savaté, mon pote. Je sais pas pourquoi j'ai savaté. Je ne sais pas. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Moi-même, je ne comprends pas. Il y a un autre client qui est venu. Ouais, par contre, si je pouvais acheter un peu de lumière aussi, ça serait peut-être pas mal. Parce qu'on est grave dans le noir, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'acheter un peu de lumière? Des lampes. 50 balles le plafonnier. On est bien, finalement, dans le noir, là. Vous trouvez pas qu'on est bien? Ok, j'ai des clients jusqu'à quelle heure? 21 balles, d'accord. J'ai des clients jusqu'à quelle heure? C'est pas ce qu'à 22h? Après, je pouvais payer un plafonnier à 70 balles. On va le faire. Allez, go. Comme ça, au moins, on aura un joli plafonnier, on aura un peu de lumière, et en même temps, il va peut-être augmenter la note de notre super, notre cyber café. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh, je t'ai savaté, mon pote. En vrai, j'ai aucune idée de à quoi ça sert de tabasser des gens. Je sais pas pourquoi, mais je le fais, j'aime bien. J'ai mis mon plafonnier, maintenant, je voudrais l'allumer. D'accord. Effectivement, j'y vois déjà un peu plus clair là-dedans. Mais ça peut augmenter la note, hein. Est-ce qu'on a un autre client ou est-ce que c'est fini? Ah, je crois qu'il y a un autre client qui arrive. Ouais, regardez sa démarche. J'ai compris tout de suite directement que c'est un client. Quand elle a un bail dans le HUC, c'est que c'est un client. Est-ce qu'elle va rester du coup plus longtemps? Le fait d'avoir un peu de lumière et un peu de trucs cool. Et si plutôt que de refaire un deuxième PC, je cherchais à améliorer celui-ci? Ça serait pas un peu plus rentable? Ouais, je vais attendre un petit peu. T'as pris combien de temps, toi, juste pour voir? Ah, c'est inactif, ça y est, donc je peux bouger les prix. Bon marché, je vais mettre ça à 23,33$. Voilà, parfait. Je veux dire, on a une note de 3, quoi. On a une note de 4, plutôt. On a une note de 4, donc je pars du principe où c'est OK, quoi. Vas-y, mon pote, amuse-toi. Il a pris moins d'une heure, d'accord. Une facture de 19 balles à payer. Ok, d'accord, bah, je vais payer ma facture. Mais alors attends, avant de payer la facture déjà,
Je faudrait peut-être que j'aille dormir un petit peu. Ah non, je peux ouvrir 24-24 du coup. Ok. Déjà, il faudrait que j'aille manger un petit peu. Donc, mangeons. Je vais boire. Et manger un croissant. Voilà. Puis un hamburger. Voilà. Et ensuite, je vais boire mon café. Je pense qu'on n'est pas si mal. Donc, je peux ouvrir 24-24. Ok, bah déjà, je vais aller payer ma facture, je pense, en priorité. Lui, il va vouloir payer aussi. Donc, c'est parfait. Alors, attends. Est-ce qu'on a des commentaires? Avec l'inventaire, le jeu plus compliqué, vous pouvez d'accord. 5 sur 5, des prix tout à fait raisonnables. Le deck est riche, les installations sont un peu vétustes, l'environnement devrait être amélioré. Je sais, ouais, vraiment je fais ce que je peux, mon pote. On va être moins bien noté, mais au moins on aura un peu d'argent. Et là, vu comment on galère, moi je suis pas fermé à l'idée. Facture, je vais payer ma facture. Ah, ça m'embête un peu, mais bon, on va devoir le faire. Je vais faire un prêt. Je pense que je vais faire un prêt de 1000 balles. Ouais, je vais faire un prêt de 1000 balles, ok. Bon, amuse-toi. Faire un prêt de 1000 balles. Et du coup, c'est là que je vais prendre du coup un ordinateur, celui-là. Je vais prendre un moniteur, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre un clavier, je vais prendre celui-là. Et enfin, une meilleure souris. On a combien? 800 balles. Ok. Je vais faire un prêt. Là, je vais pas rester comme ça à galérer à ce point-là. Il me reste en fait 200 balles. Donc avec mes 200 balles, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, moi? Acheter un peu de décoration, des néons. On va acheter aussi des pots en plan, voilà, des fleurs. Bon, ça me va. Et là, t'as combien? T'es à 228. Ok, il me reste deux coups, 92 centimes. Plus ça paye du gars, normalement, on devrait être pas si mal. Et bah écoutez, moi je dis oui. On prend un risque, j'en ai bien conscience, mais normalement, voilà, on devrait pouvoir très vite rentabiliser nos achats. Le PC, on va faire comme on va pouvoir. On va le mettre là, du coup. Je suis pas une équipe qui gagne. Toi, le clavier, ouh, il a l'air mieux en plus le clavier. On va le mettre ici. Du coup, je pourrais vendre ma vieille chaise qui sert à que dalle. Du coup, et on va voir. Et toi, j'ai placé là. Voilà, c'est bon. Allez, encore un nouveau, un nouvel endroit pour mes clients. Incroyable, insane. Le pot, je vais mettre là. Voilà, parce que c'est joli. Pas de raison, voilà, c'est joli. Moi, je dis oui. En attendant, on va essayer de virer ça. Voilà, à bouteille d'alcool, d'accord, directos. Bon, amuse-toi, hein. Surtout régale-toi. Donc là, c'est déjà ok. Et enfin, le petit néon qu'on va mettre genre au-dessus en mode boom. Comme ça, elle est sympa, ou comme ça peut-être. Comme ça, je pense. Voilà. Incroyable, incroyable, incroyable. Du coup, là, on gagne combien maintenant? On gagne combien? On gagne à 16,50 $. C'est pas la folie. C'est pas la folie. C'est pas la folie, mais écoutez, faut qu'on augmente les prix. Mais bon, déjà, on aura peut-être plus de monde comme ça. Et si je prenais un deuxième crédit pour rembourser mon premier crédit, genre 2000 balles? Ah merde! Faut que je paye chaque jour. Ah ouais, merde! J'avais pas saisi. Je pensais que j'allais pouvoir rembourser. Ah ouais, non, mais là, ça me coûtait super cher. Mais est-ce que ça serait pas le moment ou jamais d'ouvrir notre supermarché en simultané? Par exemple, mais en fait, je fais tout, moi. Je fais une caisse. Des rayons de supermarché, voilà. Des cloisons de séparation. Non, je m'en fous. Très combien? 790 balles. Ok, bah on va payer, tu sais quoi. Oh non, non, j'ai annulé mon panier du coup. Je recommence, c'est pas grave. La caisse. Ah oui, pardon, ils veulent payer, allez-y. Surtout changez rien, les gars. Donc on prendrait une caisse, c'est fait. Des rayons de supermarché, on dirait ok. Et ouais, ça serait déjà, je pense, pas mal. Je paye. En même temps, je vais commencer à acheter de l'alimentaire. Donc, peut-être, je sais pas moi, des forfaits, ouais, des forfaits cuisine végétale, des boissons, des. Bah, du papier toilette et de l'eau de Javel. Voilà, on va dire que c'est ok. J'achète tout ça et en attendant, je pourrais même racheter un nouveau PC aussi. On y retourne. Alors, marché ici, je vais prendre une jolie table, une bonne chaise de patron, voilà. Un PC de gamer, bah un PC de gamer, j'allais dire, le PC qu'on va pouvoir prendre, hein, voilà. Le clavier, je vais dire ok. La souris, je vais dire ok aussi. Donc là, normalement, on a tout ce qu'il nous faut. Ah, ça dépasse, ça dépasse, ça dépasse. Ça dépasse. Pas de grand-chose, par contre, hein. En vrai, pas de grand-chose. Donc, on va déjà pouvoir, je pense, mettre tout ça en place. Voilà, ça déjà, c'est ramassé. Alors, raconte-moi tout. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Attends, reviens mon pote. Ouais, voilà, reviens. Parce que là, alors la caisse, je vais la mettre probablement ici, je pense. Voilà, comme ça, je peux récupérer ma thune et en même temps venir à la caisse. Et en même temps, je vais pouvoir placer quoi là? Ah, de l'eau. D'accord, mais je voudrais d'abord mon rayon. Ah, voilà.
Parfait. Dégage. Je prends mon truc. J'ai placé. Ça a aucun. Ma boutique n'a aucun fucking sens. Ah! Vous êtes maintenant désormais prêt à démarrer votre supermarché, transporter marchandises dans entrepôt. D'accord, alors j'y vais, je prends dans entrepôt. D'accord, je vais là-bas. Ok. Ah, vite, faut vite que j'aille récupérer la thune. J'arrive, monsieur, j'arrive, tenez bon. Ça, c'est un peu sale. Je ramasse, on n'en parle plus. Merci, madame. Ouais, ok, c'est bon, ça a été validé. Ok, je ramasse ça. Donc, il faut que je mette ça dedans. Faut que j'appuie sur F, c'est ça? Non, ici, il faut que je mette ça là. Voilà. Ok, bon, on va voir. Hein. Ok, on est bon. Toi, du coup, attendez. Arbre de compétence, je voudrais courir plus vite là. Ouais, parce que là, je suis quand même relativement lent. Ok, donc là, je vais mettre mes produits ici. Donc de l'eau. Ok. Ça, pareil, je vais ranger. Donc du papier toilette. C'est la marque Pétus. Je trouve ça très drôle. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Donc là, faut que j'aille récupérer la thune du monsieur Touk. Bon, il a pas trop aimé mon. Il a pas trop aimé en vrai mon super café. Hein. Je peux l'entendre. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après tout, moi, il paye, ça me va très bien. Du coup, j'ai peut-être assez maintenant pour faire ma commande, non? C'était 1300 combien qu'il fallait? 1358. Donc j'ai pas encore assez d'argent. Peut-être avec elle. Alors, des fois, je sais pas pourquoi mon perso veut plus bouger. Ça bug un peu, mais ça arrive. C'est pas. C'est léger, ça va. C'est léger. Donc là. Ah, je voudrais remplir en eau de Javel. Le prix, on va mettre ça à 7$. Voilà. Je voudrais remplir encore d'autres. Bah, je voudrais remplir. Ah, bah, c'est déjà plein, d'accord, c'est déjà plein. Mais non, mais c'est. Qu'est-ce qui me fait ce con? C'est pas plein. Démarrer la caisse. C'est tout? D'accord, ok, d'accord, je vois le lire. Ok, d'accord. Là, du coup, je voudrais encore d'autres Javel. Là, je vais remplir de cuisine. Alors, le prix du marché, 4$, je vais mettre à 4,20$. Voilà, comme ça, on est bien. Les chips, je vais mettre ça à 4,20$ aussi. Et enfin, le dernier étagère, je vais prendre du PQ, je vais mettre ça à 8$. Voilà. Je pense que là, on n'est pas si mal. Alors, ouais. Allez-vous-en. Et vous, les gars, on y va. Alors, l'eau de Javel, ça part. Hein. Ok. Ok, ça me va. Ça me va. Du coup, on va en même temps nettoyer. Donc on fait vraiment les deux en même temps. Hein. C'est toute la magie du jeu. C'est de pouvoir faire les deux en même temps, je pense. Ok, donc là maintenant il va me livrer ça et je devrais pouvoir. Je vais refaire une étagère à bière, je pense. Je vais faire une étagère à bière, ça va être une dinguerie. Bah écoutez les gars. Alors non, par contre, ça serait bien. Voilà, parfait. Ça. Non, ça serait peut-être sympa qu'on fasse un truc comme ceci, je pense. Voilà, c'est pas mal. Ça dépasse pas trop. C'est pas vraiment collé, mais on va dire que c'est ok. Alors, la bière partout. La bière, la bière. La bière. La bière. Voilà. Allez, de l'eau si tu veux, en bas. Voilà. Mais là, on va mettre de la bière partout. Ça va être une dinguerie. Du coup, il faut que je rachète la masse de produits maintenant. J'ai plus d'argent. C'est compliqué. Quoique, que avec 78 balles, je pense que je peux acheter 2-3 trucs quand même. Hein. Bon, je vais venir ici. Je vais aller là. Et je voudrais acheter de la bière. On laisse tomber. Des chips. Je pourrais en acheter un peu des chips aussi. Qu'est-ce qu'on aurait qui coûterait bien cher? De la boisson, je pourrais acheter du cola en canette hein, aussi. Ok. Là on a combien? 100... Ouais, donc je... Non, voilà. Là on est pas mal. Là on est pas mal. Alors oui, on récupère, on récupère, on récupère, allez-y. Il faudrait que je commence à engager d'autres employés là. Parce que ça devient loin à la fin là. Faut vite que je trouve un moyen d'engager d'autres employés. Eh, on est pas mal du tout là. On est pas mal du tout, hein. On est déjà quasiment 300 balles de vente, hein. Allez-y les gars, voilà, parfait, je récupère ça et on va vite déposer ça. Par contre, un par un, c'est relou. Un par un, c'est grave lourd. Pas moyen que j'en prenne plusieurs d'un coup. Ouais, vraiment pas moyen, d'accord. Ah, attends, peut-être là-dedans. État financier, c'était là, d'accord, ok. En vitesse de machin, on s'en fout. Recyclage, on s'en fout. Consommation, ouais, pourquoi pas. Encore la vitesse de déplacement. Vas-y, bah, je vais courir hyper vite à la fin, je vais devenir Usain Bolt. Voilà.
Un client. Ok, j'arrive. J'arrive. Tenez bon, les gars. Tenez bon, j'arrive. Oh, il y a de l'argent. Oh, j'ai gagné du fric. Je sais même pas comment j'ai gagné du fric. Incroyable. Ouais, ok, bah je récupère. Tac. Alors, ça donne quoi, monsieur? Ok. Parfait. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Parfait. Moi, ça m'irait très très bien. Du coup, j'ai pas fini mes dépenses. J'ai un peu d'argent. Je voudrais acheter maintenant des fruits, des légumes. On n'a pas ce qu'il faut. Ah, l'eau de javel, ça se vendait très très bien, l'eau de javel. Et le PQ aussi, hein. L'eau de javel, elle a la lavande. Elle vaut plus cher. On va acheter ça. Je vais acheter plusieurs paquets. Deux pour débuter, je pense. J'ai pas d'argent de toute façon pour autre chose. Allez-vous-en, monsieur. C'est parfait. Ok. 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 Filez. Bon, là, ils vont pouvoir jouer et s'amuser comme ils vont pouvoir. Et du coup, comme j'ai mis des nouveaux produits, je peux pas en mettre. Ah, de la bière. De la bière. Et de la bière. Voilà, bah, je pense que là, on a une étagère à bière. Je pense qu'on n'est pas si mal. Je vais remplir un, j'en remets trois dedans. Voilà, là, c'est rempli de bière. Là, c'est vraiment le truc à clodo. Et en bas, on peut pas mettre plus de trucs en bas? Ah, si, en bas, on peut en mettre des bières. Bon, on va mettre des bières encore. Voilà, truc à clodo ici. Hein. On y va. Hop. Enfin, clodo. Non, moi, je vois des bières. Hein. Je vois des bières aussi. Enfin, j'en buvais. J'ai plus trop le droit maintenant. Mais mes problèmes de cœur, je peux plus trop. Mais à l'époque, j'étais un grand amateur de bière. J'aimais un grand amateur de bière. J'aimais beaucoup. J'avais acheté un bouquin pour apprendre. Enfin, ma femme m'avait offert un bouquin pour. Un petit peu apprendre à déguster des bières. J'avais fait des dégustations aussi pour apprendre justement à pas juste boire une bière, mais plutôt à déguster, essayer de sentir les arômes. Bon, j'ai jamais été très doué, hein, j'ai pas voulu le cacher, jamais été très doué. Mais bon, j'essayais du moins. Voilà, j'aimais bien le goût, donc je voulais apprendre un petit peu à comprendre, voilà, tout simplement. Mais j'ai toujours été nul à chier, hein, j'ai pas voulu le cacher. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, faut j'aille. Ouais, ok. Est-ce que j'essaierais pas d'économiser pour prendre plutôt un caissier? Ça coûte combien un caissier? Comme ça, ça m'aiderait de le faire. Ça coûte combien? Dis-moi tout. Un caissier coûterait combien? Employé en ligne? Ah, faut attendre au niveau 6 du supermarché. D'accord. Bon, déjà, calme-toi, t'es si pressé que ça de venir payer, mon pote. J'apprécie hein, que tu veuilles payer à ce point-là et tout. J'apprécie vraiment, mais... Alors, tac, tac. On est déjà à 363 balles. Moi, j'apprécie vraiment. Du coup, j'ai quand même pouvoir mettre de la lavande. Du coup, je vais retirer les... Ça, je retire. Je peux pas attendre. Ah merde, je peux pas attendre, d'accord. Bah, je vais attendre que les bières se vendent et je changerai les produits après. 4 balles. Donc, on a déjà 371 balles. Ok, c'est pas mal du tout en vrai. C'est pas mal du tout. On s'en sort très très bien financièrement. J'ai 395 balles. Est-ce que j'essaierai pas d'acheter d'autres choses? Après, je pourrais prendre quoi? Tableau, on s'en fout. Des tableaux? En gros, c'est des tables. D'accord, c'est mal traduit. Je pourrais acheter un petit peu de décoration pour faire plaisir aux gens, non? Oh, on pourrait acheter des vrais tableaux du coup. Oh, le wifi. Je mets le wifi direct. Ça, je dis oui aussi. Des lumières. Enfin, plus de lumières aussi également. Voilà. En vrai, on est bien. En vrai, on est très très bien. Merci, madame. Livrez-moi, s'il vous plaît. Livrez-moi. Bon, écoute, je vais encaisser. Hein. En attendant, ils ont l'air de prendre 3 plombes. Et il est seulement 10... Oh là là, mais lui, il prévoit une soirée ou quoi, lui? Il prévoit une soirée, le frérot, là? Donc là, normalement, il a bien pillé la bière. Je vais tout remettre et j'en mets de la bière là-bas. Je vais tout remettre là-bas. Hop, hop, là-bas, 4. J'en mets 4 ici. J'ai presque plus de bière du coup quand j'y repense. Hein. Les bouteilles d'eau, on s'en fout. Ouais, j'ai presque plus de... J'en ai plus que 14. Donc ça va très vite. Hein. On va atteindre les 500 balles. Hein. Je pense qu'on va atteindre les 500 balles assez rapidement et facilement même, je dirais. Allez-y, monsieur. Oh oui, les 500 balles, on les a. Là, on les a. C'est automatique. On les a. Ok, ok. Ok, vas-y, balance. Oh là là. Alors là, on va monter au moins 600 balles, je pense. Je pense que fin de journée, on a 600 balles, je pense. Honnêtement, je pense que fin de journée, on y est. Alors, il faudrait déjà le plafonnier en priorité. Un plafonnier, mais je prends toujours le même. J'ai l'impression que ça change que dalle à la lumière. Ah si, c'est mieux quand même. Je crois que c'est mieux. Je crois que c'est mieux quand même, ouais. Je crois que c'est mieux. C'est de la merde, mais c'est mieux, je crois. Ok, bon courage. Ah! Alors, écoutez-moi bien, les gars.
Tout ça, on va retirer. On va retirer. Je vais mettre des chips. Je vais mettre du cola. Et je vais mettre de la javel. Alors, le cola, je vais mettre ça à 6 balles. La javel, je pousse ça à 14 balles. Voilà. Voilà, les bonnes journées. Au revoir. Il me faudrait. Ouais, il faudrait encore plus de. Ouais, non, mais c'est pas possible. Il me faut tellement de trucs là. Il me faut tellement de trucs. Ok. Oh là 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 là. Oh, la bière, ça part tellement vite. Je crois que je vais augmenter le prix de la bière. Ça part trop vite, la bière. Je vais augmenter le prix de la bière. Ça va trop vite. Moi, je laisse tomber. Je vais mettre ça à 8 balles. Voilà. Enfin, encore 1$ de plus d'augmentation. Tu comprends, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Aucun rapport, mais écoute, voilà, c'est comme ça. On a les 600 balles. Ça me va. Du coup, je pense que je vais encore racheter d'autres choses, telles que des. Déjà de la bière. Déjà de la bière en priorité. Il faut que j'achète de la bière. On n'a pas le choix. Oh, on aurait des bières en bouteille qui ont l'air d'être beaucoup mieux. Oh, stylé. Parce que là, les bières blondes. Ouais, je vais reprendre encore un petit peu parce que c'est pas très cher. Mais. Moi, j'aurai du stock, quoi, on va dire. Alors là, Wi-Fi, on va le mettre là. Waouh, stylé, waouh, incroyable, on a la wifi, incroyable, insane, insane. Ok, là au-dessus, parce que toi t'es un clodo. 34 balles, je dis oui. La bière continue de partir à ce tarif-là, donc je suis assez content. Même si je ferais pas mieux de l'augmenter encore un peu pour être tranquille. En vrai, je pourrais mieux l'augmenter à 9 balles, je pense. Ok, il faut que j'aille payer mes factures. On a fait pas mal de bénéf aujourd'hui, donc je suis assez content dans l'ensemble. Et la bière, je vais la mettre à 10 balles. Voilà. C'est à cause de la Tchécoslovaquie, parce qu'en fait, ils ont une politique d'importation qui a changé. Ce qui fait que malheureusement, bah, et voilà, on fait ce qu'on peut, mais voilà, ça part pas. Voilà, je suis désolé de vous le dire. C'est vraiment pas parce que je veux abuser sur les prix, faire encore plus de bénéf, les gars. C'est vraiment pas un choix de ma part, c'est horrible. C'est cruel, je sais, vraiment, mais c'est... Ah là là, la Tchécoslovaquie, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Ah là là, vraiment. Eh bien écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour ce premier épisode sur le jeu. Merci beaucoup d'avoir regardé, abonnez-vous, lâche un petit pouce bleu, commentaire qui fait plaisir. Parce que c'est quand je vois qu'il y a un gain d'abonnés que je me dis, ok, le jeu plaît, donc je vais continuer à faire des vidéos dessus. Vraiment, je me base vraiment là-dessus parce que bah, c'est important, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup et je vous dis à plus tard. Ciao !